Nous allons déguster maintenant la grande cuvée rosée. La grande cuvée rosée est également un assemblage des quatre cépages bourguignon avec une majorité de chardonnay. Il y a 50% de chardonnay, 20% de gamay, 20% de pinot noir et 10% d'aligoté. Et ce vin va vieillir en cave environ 18 mois. Donc nous sommes sur la grande cuvée rosée. La grande cuvée présente une teinte assez soutenue. On est sur des rosés avec une couleur plutôt style framboise écrasée. Tout de suite au nez, on reconnaît les petits fruits rouges, on a de la groseille, de la framboise, de la fraise des bois. Et à l'agitation, donc on retrouve les notes apportées par le chardonnay, donc sur le citron vert. En bouche, c'est plutôt un vin très gourmand, avec un équilibre harmonieux, une bonne vinosité, mais avec la fraîcheur qui vient du chardonnay. Donc c'est un crémant qui pourrait accompagner un repas ou un dessert, style charlotte aux fraises par exemple.